doutez bien que si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la même chose que d'habitude, on va à la moto. Le truc qui change, c'est qu'on est dimanche matin, il est, je sais pas quelle heure, beaucoup trop tôt d'habitude, 8h20, il est 8h20, et on va à un stage pilotage ce matin, histoire de montrer ce qu'on est capable de pas faire, genre, tu vois. Et cet après-midi, des copains qui arrivent, et puis on roulera tous ensemble à notre club, encore. Allez, venez avec nous. Bon, c'est où l'apéro, là? I've been up for three nights. My eyes are bloodshot. C'est le caleçon spécial quand j'ai peur et que je me chie dessus. Tu sais, genre quand je loupe un saut. Je me suis tellement chie dessus que j'ai trouvé une. Vraiment pourri, pourri. See the sunshine, it's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. He runs away. Decisions, that should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite guy. Watching by my whole house down, I feel a thing. C'est goulu, c'est goulu. Le tout le monde roule. Hop, oh. Sauf toi. Sauf la Yamaha. Achetez pas Yam. Bah je me suis cassé la gueule. J'ai failli m'en mettre une. Regarde le levier qui m'a fait cet enculé. Je sais pas si on peut le détordre. Si, ouais et tout. Ah parfait. Ah bah ça du coup, évite. Avec moi qui est fan et ramène des petites chocolatines pour ses collègues. Merci Hugo, ça fait plaisir. Ok, là faut rien comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on a bien roulé ce matin? Dégueulasse, genre trop moche. Merci. Allez, salut. Bon, le stage est fini. Tu peux me laisser parler? Pardon. Le stage est fini.
C'était chaud. Ouais, c'était gras. C'était la plus intéressante de la journée. Manger. C'était chaud, c'était gras, c'était technique. Quand Pierre nous disait, les gars, vous allez faire deux tours à fond. Deux tours tout court, ça suffira, tu vois. Donc là, on mange bien, on fait les cons. Et après, on va rouloter cet après-midi, histoire de vous faire des belles images. Et puis voilà. Et puis après, faudrait s'abonner parce que faut que je me rachète des leviers, moi. Je les ai mangés ce matin. Pour se donner bonne conscience, la petite salade. Il a le goût de cul, sûrement. C'est vrai. Toi, t'es même pas roulé que t'es déjà en train de te réparer, quoi. Dépêche-toi, toi, putain. Mais j'ai le temps, j'ai pas de moto. Ah oui, c'est vrai. Bah, bro, tu te changes alors. C'est pas de la tienne. Ah merde. Et de la L, et de la L. Ah, je lui ai pas dit ça, moi, c'était pas prévu. Hein. Non. C'est pas vrai. Ouais. Viens, on lui prête pas. Voilà. T'apprêtes entre nous. T'inquiète, Hugo, tu vas faire de la moto. Hein. Surtout si vous avez un truc à coller sur votre moto, appelez pas Grégoire. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà. Génial. Voilà. C'est sympa. Ah, il est là, il est content. Hein. Regarde. Hein. Voilà. T'attends quoi, toi? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, mais tu veux faire rien. Ouais, alors là, ça va être du grand Mendes. Pas sérieux. Bah écoute, c'est bon, je suis pas goûté. C'est pour ça, toi. C'est vraiment dégueulasse. Ça bouge, mais on peut plus passer les vitesses. C'est mangeant. Ils pouvons se foutre de ma gueule. Hein. Et une semaine après, l'autre pareil, comme moi. Regarde, viens voir, lève-toi. Regarde. 3h08, la moto. Chibré. Terminé. Mangé, net. Bastien, fini. C'est dans le ciel. C'est qu'en fait, c'est sûrement l'étoile en bout de barillet de boîte de vitesse qui est comme ça. Mais vu que vous avez rien compris, ah oui, bah, les étoiles, c'est dans le ciel, les gars. Non, un peu de logique. Yeah.
Les jambes là. C'est trop hein. Ah mais c'est trop bien. C'est tellement faut pas accélérer. Ah bah non, pareil, je te voyais, tu prenais les tours, ça a rien de les tours. Ouais. Faut une petite vitesse dessus. Ouais, bon. Bah je me suis fait surprendre dans la ligne droite. J'ai essayé de mettre un rapport en plus. Et ça peut rien pas. Et bam. Et je me suis cassé la gueule là dans le rouleau. Ouais, bah, j'ai calé. Bah t'as pas. Je sais pas vous. T'as aimé ou pas? Mais moi j'en ai plein le cul. Fatigué. Oh, c'est putain. Bon, c'est beaucoup. Oh. Alors, c'est sec? Merci les mecs en Honda. Ça, c'est que tu tombes à plat ventre dans la tête. Non, mais quand on sait pas rouler, t'as aller manger des macarons. Trop de gueule pour dire qu'il va acheter un Husqvarna ou un KTM. Ouais, non, mais regarde sa merde en même temps. Et 3 heures, le moteur est déjà chibré, tu m'étonnes. Ça, c'est un oignon, frère. Il perd au moins une heure par tour. Avec je citerai pas le nom du mécano, il se reconnaîtra, il est rassurant. Hey, gros tarin, de deux sacs. Avec ton nez de 4 mètres de long, tu me sentais pas que j'étais derrière toi pour me laisser passer. Hey, regardez, c'est le moment de la journée où elle marche le mieux. Je crois que c'est même le moment de la journée où elle a été le plus vite. Ouais. Elle est pas tombée. Alors que moi par contre j'étais tout le temps par terre mais la moto marchait bien. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne journée sachant que j'ai cassé la boîte de la Honda. Bon, selon le mécano c'est pas grand chose. Il va s'en débrouiller cette semaine et on verra le week-end prochain.
Mais dans l'ensemble, j'ai kiffé la journée. Toutes les motos que j'ai essayées, c'était ouf. Le 500 CR, il était monstrueux. Ça vibre, mais il était trop bien. Il m'en faut un. C'est trop puissant, mais il m'en faut un. Et le terrain était bien préparé. Le stage le matin, il était chouette. En vrai, on a kiffé. On a passé une putain de journée. Merci à Pierre pour le stage, parce que franchement, c'était grave cool. On a appris plein de trucs. On a fait n'importe quoi. On s'est pas roulé. Mais on a appris plein de trucs. Au moins, on a essayé, tu vois. Bon, la journée. C'était bien. T'as kiffé? Ouais. Tu t'es vautré quand même. C'est. Et toi? Ouais. Ouais, c'est trop bien. J'espère que vous avez kiffé. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao.